fier d'être ici ce soir pour célébrer l'intronisation de ma mère. Ça a toujours été une grande, grande partie de notre vie familiale. Très jeune, pendant que mes amis regardaient des bandes illustrées à la télévision, mais nous, les samedis, dimanches, après-midi, étaient consacrés à regarder le golf à la télévision. Et pas de question de changer de poste parce que ma mère, elle manquait jamais un tournoi. Le golf pour ma mère a toujours été une grande passion et son dévouement au sport et à l'organisation a eu beaucoup d'impact sur moi et ma sœur. L'effet d'être, de prendre quelque chose au sérieux de tous les jours et de vouloir faire avancer tous ces projets dans le golf a eu un grand impact sur moi. Fait, très fier d'être ici aujourd'hui, très fier de ma mère et longue vie à Golf Québec. Diane a été une inspiration incroyable pour moi. Elle m'a impliqué dans son sillon, puis constaté déjà l'influence que Diane avait sur l'essor du golf canadien. L'implication a aidé à rassembler tous les intervenants du golf canadien pour qu'on puisse travailler ensemble. Longue vie à Diane et félicitations pour cette intronisation au Panthéon du golf québécois. C'est un honneur et un privilège pour moi d'assister ce soir à ce magnifique événement parce que introniser Diane Dunlop-Hébert, c'est vraiment le reconnaître pour tout ce qu'elle a fait dans l'industrie du golf au Québec, au Canada et maintenant et sur la planète. Diane, c'est une femme qui a une habilité de regrouper le monde puis trouver des solutions à résoudre les problèmes. Moi, c'est une amie, c'est une femme que j'adore. Pour moi, c'est une modèle. Elle représente qu'est-ce que les femmes modernes devraient représenter. Ça veut dire croire en soi et vraiment s'impliquer pour faire une différence. Je suis tellement fière de pouvoir dire que je peux compter sur elle à chaque fois que j'ai besoin d'un conseil dans mon travail et même dans ma vie. Alors, bravo à Diane Dunlop-Hébert. C'est grandement mérité d'être intronisée dans la Temple renommée du Québec. It is such a pleasure tonight to be celebrating Diane and all of her accomplishments in the world of golf and her induction into the Quebec Golf Hall of Fame. She's been such an inspiration to so many, none more so than my brother Norm and I. We had the pleasure tonight of emceeing the event for her. And we couldn't have been more proud. She's taught us so much, obviously about life, but also about golf and the wonderful sport that it is, always encouraging us to play, not pushing us too hard to play, and ensuring that we understood and loved the game of golf as much as her. Congratulations, Mom. It's an énorme honneur d'être intronisée ce soir. Parmi tous, honnêtement, les très bons amis, mes collègues de travail, directeur général de Golf Québec que j'ai engagé, et puis mes collègues à travers toutes ces années-là, mes complices, si vous voulez. Vous voulez tous la même affaire, que les intervenants dans le golf travaillent ensemble pour améliorer le sport. Si on a réussi un peu, c'est grâce à la complicité de toute la gang, c'est un travail d'équipe. Tu commences? Moi, je commence. OK, vas-y. Les femmes en premier. OK. Bon, je suis tellement contente de revoir mon ami Sylvain après tant d'années. La première fois que j'ai rencontré Sylvain, il était avec André Gosselin. On était à Kahnawake, peut-être? Oui. Oui, à Kahnawake. Puis moi, je commençais, c'était le début de mon aventure dans le golf comme bénévole. Puis là, mon Sylvain, que honnêtement, là, je ne comprenais pas son accent. C'était très difficile de comprendre ce qu'il me disait, mais il m'a pris par la main, puis l'autre, André Gosselin, m'a pris par la main. Ils m'ont amené à une table là-bas, qui ont dit, « Toi, on va t'expliquer comment ça va fonctionner, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses. » Vrai ou pas, mon super? C'était pas aussi directif, là, mais...
Mais les changements, c'est madame qui les a tout fait. Nous, on a juste été la petite pierre angulaire qui a fait que madame a tout fait les changements, puis on est rendu là grâce à madame. C'est gentil, mais c'est un travail d'équipe, mon Sylvain.